Monsieur le nouveau directeur du service de renseignement de la Confédération, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette conférence de presse consacrée justement à cette nomination à la tête du service de renseignement de la Confédération. Avant de passer à ce thème, comme d'habitude, je vous laisse la possibilité de poser l'une ou l'autre question sur la séance du Conseil fédéral qui s'est déroulée ce matin. Monsieur Vincent. Waren die Auswirkungen der neuesten US-Sanktionen auf Schweizer Firmen, zum Beispiel Sulzer, war das ein Thema heute? Das war kurz ein Thema. Der Vorsteher des WBF hat über die Situation dieser Firmen den Bundesrat informiert und das WBF verfolgt weiter die Situation, ja. Aber es gab keine Entscheidung diesbezüglich. Y a-t-il d'autres questions sur la séance qui s'est déroulée ce matin? Si ce n'est pas le cas, je passe immédiatement la parole à Monsieur le Conseiller fédéral. Merci. Bonjour, mesdames et messieurs les représentants des médias, monsieur le vice-chancelier, monsieur le directeur, mesdames et messieurs. Der Bundesrat hat heute Jean-Philippe Gaudin zum neuen Direktor des Nachrichtendienstes des Bundes ernannt. Jean-Philippe Gaudin zeichnet sich durch seine langjährigen Erfahrungen aus, die er in verschiedenen Bereichen gesammelt hat, sowohl in der Schweiz als auch im Ausland. Dank seinen bisherigen Tätigkeiten verfügt er über ein solides internationales Netzwerk, das er nun weiter nutzen kann. Der Bundesrat erachtet es auch als großen Vorteil, dass Jean-Philippe Gaudin von extern in den NDB eintritt und gleichzeitig die Themen von der militärischen Seite her bereits sehr gut kennt. Avant de vous présenter le nouveau directeur du service de renseignement, je commencerai par vous rappeler, mesdames et messieurs, le cadre dans lequel le Conseil fédéral a pris sa décision aujourd'hui. La loi sur le renseignement, la LRENS, est entrée en vigueur le 1er septembre 2017 et vous le savez, des nouvelles compétences ont été données au service de renseignement de la Confédération, le SRC. Il s'agit en particulier de ce qu'on appelle les mesures soumises à autorisation, les mesures de recherche soumises à autorisation, qui ont pu être déclenchées dès le mois de septembre 2017 grâce à l'engagement de tous les acteurs concernés, le SRC évidemment, mais aussi le tribunal administratif fédéral, les départements des affaires étrangères et de justice et police. L'équilibre entre les impératifs de sécurité et le respect des droits fondamentaux est et reste, et je dirais même doit rester, notre objectif prioritaire. Le service de renseignement doit pouvoir agir efficacement sans inquiéter les citoyennes et les citoyens n'ayant rien à se reprocher. Mais vous le savez aussi, le renseignement reste une activité qui ne va pas sans risque, comme nous l'a montré malheureusement l'affaire Daniel M, qui a été au centre d'une inspection de la délégation des commissions de gestion. Le Conseil fédéral donnera son avis sur le rapport de la délégation en automne de cette année, et c'est pourquoi je vous le précise déjà maintenant, je ne commenterai pas cette affaire ici aujourd'hui. Je vous le rappelais, avec la nouvelle loi sur le service de renseignement, le SRC s'est vu confier des compétences accrues. Elles sont imposées par la situation actuelle de la menace et des risques en matière de terrorisme, d'extrémisme violent, d'espionnage et de prolifération. Cette action préventive, en amont de la mission des autorités de poursuite pénale, est plus que jamais nécessaire. Cela implique aussi naturellement des attentes, cela implique des attentes élevées et aussi davantage de responsabilités. Je pourrais résumer ces attentes en quelques points. Premièrement, contribuer efficacement à la sécurité du pays et de sa population en fournissant les informations qui sont absolument nécessaires aux autorités politiques et aux autorités de police. Il s'agit deuxièmement de respecter le cadre légal à tous les niveaux. Troisièmement, il s'agit d'assurer la transparence vis-à-vis des autorités de surveillance. Quatrièmement, il s'agit de maintenir et consolider la bonne collaboration du service avec ses partenaires en Suisse. Je citerai en particulier le ministère public de la Confédération, la police judiciaire fédérale, les polices cantonales et aussi naturellement avec les services de renseignement étrangers. Il s'agit aussi et enfin de garantir la motivation
des collaboratrices et collaborateurs à assurer le développement du service et assurer le développement du service selon la loi et selon les directives du Conseil fédéral, en particulier la mission de base. Dans cet environnement extrêmement complexe, le service de renseignement remplit sa mission et le contrôle parlementaire, politique et administratif sur ce service fonctionne parfaitement. Le SRC, mesdames et messieurs, je crois qu'il faut peut-être tordre le cou à certaines images, ce n'est pas ce que certains veulent croire, ce n'est pas un service secret. Il s'agit d'un service de renseignement. Sa mission, et je le répète et on n'insistera jamais assez, c'est bien de fournir préventivement des informations fiables, des informations utiles aux décideurs politiques ainsi qu'aux politiques, aux polices fédérales, cantonales, tout en respectant la loi et en prenant des risques calculés. C'est là sa raison d'être et c'est ce que nous attendons de lui. Mesdames et messieurs, dans ce contexte et face à ces défis que je viens d'évoquer, le Conseil fédéral, je vous le répète en français, a nommé aujourd'hui M. Jean-Philippe Gaudin au poste de directeur du service de renseignement de la Confédération. Il entre en service, en fonction, le 1er juillet 2018 et succédera à M. Markus Seiler, qui, vous le savez, occupe depuis décembre 2017 le poste de secrétaire général du département fédéral des affaires extérieures. M. Gaudin atteste d'une longue expérience dans le domaine du renseignement. Il a occupé différents poste de cadre depuis 2003 au sein du renseignement militaire, dont il a pris la tête en 2008 avant de partir pour Paris comme attaché de défense en 2016. Un mot peut-être concernant la procédure de recrutement. 49 personnes, dont 46 hommes et 3 femmes, ont fait acte de candidature. La première étape de la sélection s'est basée sur les critères fixés en amont de la mise au concours, comme une expérience de la conduite stratégique de plusieurs années, d'excellentes capacités d'analyse et de conceptualisation, sans oublier, bien sûr, de très bonnes connaissances de la politique de sécurité de notre pays. Une commission de sélection a été mise en place pour l'occasion. Outre des représentants du secrétariat général du DDPS, les personnes suivantes y siégeaient, pour mémoire, c'est connu, M. Mario Fer, directeur de la sécurité du canton de Zurich, les anciens conseillers aux États, Dick Marty, Paul Niederberger et Luc Recordon. Cette commission a examiné les dossiers et s'est entretenue avec certains candidats. Elle a ensuite présenté une liste sélective et je me suis entretenu avec les candidats figurant sur cette shortlist. M. Gaudin a répondu à toutes les exigences de la procédure de sélection. Nous sommes d'avis avec le Conseil fédéral qu'une personnalité telle que la sienne, avec son profil, ses profondes connaissances du monde du renseignement et son sens politique avéré, représente le bon choix pour ce poste. Je me réjouis déjà de collaborer avec lui de manière professionnelle et efficace. Et j'en termine ici. M. le vice-chancelier, on peut passer la parole à M. Gaudin, si vous êtes d'accord. Tout à fait d'accord. M. Gaudin, vous avez la parole. Merci. Monsieur le conseiller fédéral, monsieur le vice-chancelier, mesdames, messieurs. Avant tout, j'aimerais remercier le Conseil fédéral dans son ensemble, mais en particulier le conseiller fédéral Guy Parmelin pour sa confiance. C'est un honneur, mais aussi un redoutable privilège d'être nommé à la tête du renseignement suisse. Pour le patriote que je suis, c'est un grand moment d'émotion. Cette confiance me touche profondément. Ich war 15 Jahren Berufsoffizier in die Rekrutenschule, in die Offizierschulen und ich habe diese Periode geschätzt. Aber hat etwas geändert in 2000. Es war mein Einsatz in Bosnien-Herzegowina. Nach diesem Einsatz, mein Profileben hat geändert und ich habe entschieden, mehr eine Operationelle zu sein als ein Instruktor. Dans ma carrière, donc, il y a eu un avant Sarajevo et il y a eu un après Sarajevo. Après le collège de défense de l'OTAN à Rome, je me suis engagé dans le renseignement militaire, service dans lequel j'ai gravi les échelons, jusqu'à en devenir en 2008 le chef. Et cela après mon retour également de l'Institut des hautes études de défense nationale à Paris.
Während 8 aufregende Jahre, ich habe das MND geführt. In dieser Zeit, ich und meine Equipe, wir haben auch diese Dienste ausgebaut. Der MND ist heute ein modernes Werkzeug. Viele Projekte waren erfolgreich. Ein Beispiel, das Satellitenaufklärungscenter. 8 aufregende Jahre. Zusammengefasst sind die Jahre 2008, 2015, die Jahre des Konflikts in Georgien, der arabische Frühling, des Libyen-Konflikt, der Mali-Konflikt, der multiple Konflikt im Nahen Osten, der Ankunft des Daesh, der Anschläge in Frankreich und die Konflikte in Ukraine. Und zu schweigen von der Migrationskrise. Alors, vous allez me dire, pourquoi? Pourquoi revenir dans le renseignement alors que j'ai un poste qui me plaît à Paris? Eh bien, tout simplement parce qu'une fois que vous êtes dans le renseignement, vous ne le quittez plus. Le départ de Markus Seiler, que j'apprécie beaucoup, a changé la donne. Je me suis trouvé dans une nouvelle situation, une opportunité unique de réorienter ma carrière. Et puis, mesdames et messieurs, durant 8 ans comme chef du renseignement militaire, combien de fois est-ce que j'ai dit si seulement un jour je pouvais avoir les moyens du renseignement de la Confédération? Eh bien, aujourd'hui, m'y voici. Et me voilà servi. Le challenge est énorme, mais très motivant. Mesdames et messieurs, je dois aussi vous dire, je ne suis pas un homme de pouvoir, mais de responsabilité. Dans toutes mes fonctions antérieures, j'ai démontré ma force de caractère, ma combativité, ma loyauté, mon sens du devoir, mon courage, mais aussi de grandes qualités humaines. Et certains d'entre vous sont déjà au courant, je suis vaudois, donc probablement un bon vivant. Naturellement, vous allez me dire, il y a de grosses différences entre le service de renseignement de la Confédération et le renseignement militaire. Et je vous donne raison. Das MND ist der Nachrichtendienst der Armee. Er ist operativ, er ist orientiert in die Richtung der Operation der Armee, der Schutz von unseren Soldaten und der Entwicklung der Technologie. Der NDB ist der Nachrichtendienst der Schweiz. Er arbeitet für die Schweiz, für das Bund, für die Kantone und die verschiedenen Kommissionen des Parlaments. Er schützt die schweizerische Bürger und das Interesse der Schweiz. C'est un renseignement stratégique, responsable à l'intérieur comme à l'extérieur. Der Nachrichtendienst des Bund ist die erste Verteidigungslinie der Schweiz. Sie wissen, vielleicht besser als ich noch, wir leben in einer komplexen und unsicheren Welt, welche durch eine Tendenz zum Chaos und Unsicherheit geprägt ist. Le renseignement de la Confédération permet au Conseil fédéral, au canton et à la conduite militaire de disposer d'une autonomie de décision, mais d'abord d'appréciation et enfin d'action. Pour terminer, je suis aujourd'hui nommé à la tête du renseignement suisse et mon attitude sera discrète. Je ne serai pas sur les devants de la scène. Ne vous attendez pas de me voir sur les plateaux de télévision, ne vous attendez pas à m'écouter sur les plateaux de radio et je ne vais pas m'étendre sur la situation géopolitique dans des articles de presse. Vous comprendrez que ces informations particulières soient d'abord livrées au Conseil fédéral, au canton et dans les commissions du Parlement. Alors naturellement, je vais communiquer, vous pensez bien. Mais ce sera d'une manière différente, plus personnalisée et une fois que les rapports de confiance seront installés entre nous. Le renseignement est un métier qu'il faut faire avec beaucoup d'humilité et de discrétion. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Directeur. Nous passons donc à la ronde des questions. Tant Monsieur Godin que Monsieur le Conseiller fédéral se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions. Madame Bella. Oui, Monsieur Godin, vous êtes réputé proche du conseiller fédéral Guy Parmelin. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ou à quelle occasion vous l'avez connu et quels ont été vos rapports ces dernières années? Merci pour la question. Je connais le conseiller fédéral Guy Parmelin depuis une dizaine d'années. Déjà, quand il était parlementaire, il avait un intérêt particulier pour les choses géopolitiques. Il est venu souvent me voir dans les rapports du renseignement militaire.
Il est venu également me voir dans mon bureau, où j'ai pu lui expliquer certaines choses, surtout concernant l'anticipation. Et c'est à ce moment-là que nous avons eu nos premiers, rapports. Ensuite, naturellement, nous nous sommes revus plusieurs fois, nous apprécions particulièrement. Et il y a aujourd'hui, entre le conseiller fédéral Parmelin et moi-même, quelque chose qui est très important et qui s'appelle la confiance. Madame Muir. Herr Godin, in einem Interview 2015 im Magazin Z hatten Sie gesagt, dass es eine Überprüfung der Gesetze braucht, dass man die, um sich an die aktuellen Bedrohungen anzupassen, es braucht vor allem im Bereich des Nachrichtendienstes mehr Mittel. Sehen Sie heute die Ausstattung des Nachrichtendienstes als genügend an und auch die gesetzlichen Grundlagen, die Sie haben? Also heute, ich bin auf der Meinung, seit wir haben die neue rechtliche Grundlage, der MND hat heute alles, was er braucht für Arbeiten, und das ist ein modernes Gesetz. Jetzt, ein Nachrichtendienst muss immer entwickeln. Wir können nicht einmal so zufrieden sein, mit was wir haben heute. Die Technologie, natürlich, geht sehr schnell. Ich könnte ja vielleicht über Cyber jetzt sprechen, aber auch über andere Technologie. Wir brauchen natürlich im Nachrichtendienst Mittel für die Beschaffung. Es ist klar. Also heute, wir haben genügend Mittel. Ich glaube, ich kann heute sagen, ja, wir haben genügend Mittel heute für unsere Arbeit. Das heißt nicht, in der Zukunft, wir brauchen vielleicht andere Mittel, weil die Bedrohung ändert und wir müssen auch ändern. Madame Muir, noch Nachfrage? Ja, Sie haben die Bedrohungen angesprochen. Können Sie uns sagen, welches Sie als die konkretesten und größten Bedrohungen ansehen, die Sie als Chef des Nachrichtendienstes priorisieren werden? Und können Sie vielleicht auch noch etwas dazu sagen? Es gab den Datenklau im NDB, es gab einen Hackerangriff auf RUAG, wo der Nachrichtendienst involviert war, und es gab diese Affäre Daniel Moser. Wie haben Sie diese Geschichten verfolgt und wie wollen Sie das Vertrauen in den Nachrichtendienst wieder verbessern? Also über die Bedrohung, ich kann einmal Schlenders beantworten. Die Hauptbedrohung heute, aber und nicht nur für die Schweiz, ist natürlich der islamische Terrorismus. Das ist einmal klar. Das ist die Hauptbedrohung. Anschließend, wir haben ce qu'on appelle aujourd'hui le retour des États-puissances, le retour de la militarisation, l'explosion des budgets militaires, et tout ceci doit naturellement être observé. Bien sûr, également, tout ce qui est la menace numérique et la menace cyber sont également naturellement à prendre en compte. Et bien sûr, nous devons garder à l'œil tout ce qui concerne les questions sur la migration et surtout la migration incontrôlée. Concernant maintenant les affaires aux renseignements de la Confédération, telles que vous les avez citées, vous permettrez que je ne vous réponde pas encore aujourd'hui. Ich habe heute Kenntnisse genommen von der Rapport von der GPDL und ich werde in den nächsten Wochen und Monaten mehr Informationen haben und ich werde anschließend schauen, was ist zu tun. Aber erst ist ein Entscheid von dem Bundesrat. Der Bundesrat muss Kenntnis nehmen von diesem Rapport und anschließend ich werde schauen intern in der Dienste, was wir müssen machen für uns verbessern. Monsieur Böckler. Donc il y avait aussi comme candidat le commandant de la police neuchâteloise Pascal Lutti. Alors peut-être une question à Monsieur Parmelin. Qu'est-ce que Monsieur Gaudin avait de plus que Pascal Lutti? Qu'est-ce qui fait la différence? Écoutez, la mission, je répète la mission qui était celle de la Finnous Commission. Il fallait trouver un profil d'une personne qui pouvait remplir les conditions comme chef du service de renseignement suisse. Trois personnes dans la shortlist qui m'ont été remises remplissaient parfaitement les conditions. Après, quand vous avez des auditions, il y a certains aspects qui entrent en ligne de compte au niveau de l'affect, du questionnement. Et l'entretien personnel joue un rôle en la matière. Je ne veux pas faire ici une comparaison entre les uns et les autres, simplement des aspects
de la carrière de M. Gourdin, des aspects de ses connaissances, de son expérience ont été pris en compte. Mais les trois candidats, je le répète ici, pouvaient parfaitement remplir le rôle tel que la Finnous Commission l'a défini. Après, il y a une appréciation. C'est pour ça qu'on a des entretiens personnalisés. Et M. Gourdin l'a très bien dit tout à l'heure, il y a aussi une relation de confiance à avoir. Je suis le chef du département en charge du service de renseignement. C'est moi qui assume la responsabilité devant les commissions parlementaires et devant le Conseil fédéral. Peut-être une question complémentaire. Est-ce que le rapport d'amitié, enfin je ne sais pas si on peut le qualifier comme ça, entre M. Parmelin et M. Gourdin, donc, a joué un rôle décisif pour le choix qui a été fait? Clairement, non. Après, il faut définir, quand vous appelez amitié, ce que c'est qu'un ami. J'ai beaucoup d'amis. Ma définition personnelle d'un ami, c'est quelqu'un à qui je téléphone au moins une fois par semaine, avec qui je vais boire le café régulièrement pendant la semaine. Avec M. Gourdin, c'est extrêmement difficile, il est à Paris. Nous avons des contacts épisodiques, il l'a dit lui-même, nous nous estimons, nous nous tutoyons, c'est quelque chose qui n'a pas été, qui est de notoriété publique et dont la Finnous Commission a eu aussi connaissance, mais clairement, ce n'est pas cet aspect-là qui a pesé de manière, comment dire, décisive dans la décision de recommandation que j'ai faite au Conseil fédéral. Oui, madame. Monsieur Gourdin, Sie übernehmen den Nachrichtendienst in einer Zeit, wo er mehr Kompetenzen erhält. Gleichzeitig, Herr Parmelin hat es angesprochen, steht diese neue Effizienz der Bedürfnis nach Vertrauen der Bevölkerung gegenüber. Das Vertrauen ist erschüttert seit der letzten Affäre. Wie gedenken Sie, das Vertrauen zurückzugewinnen der Bevölkerung? Können Sie das bitte nochmal? Das Vertrauen. Das ist nur meine Frage. C'est la question de. Es geht ums Vertrauen. Das ja. Vertrauensverhältnis zwischen Nachrichtendienst und Bevölkerung ist ein bisschen gestört seit dem Fall Daniel M. Wie gedenken Sie, das Vertrauen zurückzugewinnen? Alors, je pense qu'il faut voir le problème sur deux choses. La première chose, il est vrai que je pense qu'il y a peut-être aussi un manque d'information. Es fehlt Informationen über NDB in der Bevölkerung. Das ist der erste Punkt. Und das wird sicher etwas, ich wünsche gerne, ändern in der Zukunft. Ich glaube, wir müssen besser verstehen, was macht der Nachrichtendienst des Bundes heute. Das ist eine Frage der Kommunikation. Und anschließend, wie können wir nochmal dieses Vertrauen haben? Ich bin nicht überzeugt, das Vertrauen ist nicht mehr da zwischen der Bevölkerung und der NDB. Natürlich, diese verschiedenen Affären helfen nicht. Aber ich muss als Ihnen sagen, auch, ich kenne auch sehr gut die anderen Nachrichtendienste im Ausland und sie haben alle Probleme gehabt. Nachrichtendienst ist nicht ein einfaches Metier. Es ist ein Metier mit vielen Risiken und manchmal wir gewinnen nicht. Und das muss auch erklärt sein. Wir sind nicht die Champions du Monde, oder? Wir können auch manchmal Fehler machen. Es sind wahrscheinlich Fehler gemacht. Wir werden das korrigieren. Aber auch, ich muss Ihnen sagen, ich glaube, die Vertrauen wird auch da sein, wenn die Bevölkerung versteht vielleicht etwas besser, als was wir machen. Wenn ich höre und ich lese manchmal, was macht der Geheimdienst, oder? Nur der Geheimdienst, ich habe keine Lust mit diesem Wort. Wir sind ein Nachrichtendienst, oder? Der Geheimdienst ist für mich die negative Seite und der Nachrichtendienst ist die positive Seite. Und das müssen wir besser erklären innerhalb der Bevölkerung. Monsieur Gaffner. Ich sehe in der Mitteilung, wo Sie überall Ihre Ausbildungen gemacht haben, namentlich in den USA, in England und so weiter und so fort, sind Sie bereit, in Ihren Kreis der nachrichtendienstlichen Tätigkeit, namentlich des Umgangs, auch außerhalb der NATO zu bewegen, als Vertreter eines neutralen Staates? Ich denke da namentlich an Russland und die unselige Affäre, als der Duma-Präsident in der Schweiz ausgeladen wurde. Der ist heute Chef des größten russischen Nachrichtendienstes mit Beziehungen in Gebiete, wo auch Flüchtlinge herkommen, wo man vielleicht wissen muss, geht es da jetzt um Terroristen oder um wirkliche Flüchtlinge. Sind Sie da bereit, den, sage ich mal, Horizont so zu gestalten, dass man dort auch gute Beziehungen pflegen kann, auch zu Regimen, die vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen unappetitlich erscheinen, möglicherweise auch auf den zweiten? Ja, also ich habe während 8 Jahren den militärischen Nachrichtendienst geführt. Die Probleme waren vielleicht nicht so hoch, wie sie sind jetzt im NDB, aber der Prozess ist der gleiche. Und an dieser Zeit, ich habe schon viele Kontakte gehabt und nicht nur mit NATO und USA.
Auf Gegenteil, ihr werdet das einmal das so sagen. Wahrscheinlich, Sie wissen schon über ein paar Artikel, was ich hatte früher geschrieben. Ich bin eher ein Fan manchmal von kleinen Diensten als ein Fan von großen Diensten. Als neutral zu sein, ist ein Vorteil für uns, weil wir haben unsere Meinung. Und das habe ich oft bemerkt in der internationalen Community. Sie haben Interesse als uns. Aufgrund eben, wir sind nicht in der NATO und wir sind nicht in der EU. Wir haben immer unsere Meinung. Und das ist natürlich ein großer Vorteil für uns. Und anschließend, ich muss sagen, ob ich habe das gut verstanden, Ihre Frage mit den anderen speziellen Diensten und so weiter. Ich muss sagen, ist in dem Bereich Nachrichtendienst, wir haben zwei Seiten. Die erste Seite ist, wir arbeiten mit ein paar Diensten. Wir austauschen natürlich Informationen. Mit anderen Diensten, wir kennen uns. Und wir haben Kontakt zusammen. Weil ich bin auf der Meinung, wir müssen immer einen Kontakt einhalten. Das heißt nicht, wir arbeiten mit. Ich werde nicht im Detail kommen, über welches Land und so weiter. Aber das ist natürlich ein Vorteil für uns, neutral zu sein. Und die Interesse manchmal von großen Nachrichtendiensten als uns ist auch interessant auf diesem Grund. Monsieur Berger. Monsieur Goudin, tout à l'heure, dans les risques que vous avez mis en avant, vous avez commencé par le terrorisme. Dans le même article que ma collègue citait tout à l'heure dans cette info, puisque vous avez été effectivement peu présent dans les médias avant, et j'ai bien compris après aussi, la nomination. Vous dites que la Suisse est moins attrayante, oui, du point de vue du terrorisme. Alors, c'est un risque qui pèse sur notre pays, mais on n'est pas si attrayant que ça. Comment est-ce que vous jugez plus précisément le risque terroriste qui pèse sur la Suisse ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucune nation qui ne risque rien avec le terrorisme. La question, c'est des fois pas de savoir s'il y aura quelque chose, c'est de savoir quand il y aura quelque chose. Alors, il est clair que la Suisse, ces derniers temps, et la Suisse en général, n'a pas été touchée par les attaques terroristes, comme en France, par exemple. Pourquoi ? Parce que la France est présente sur des théâtres d'opérations. La France est présente avec ses soldats. La France est une puissance nucléaire, ce que la Suisse, naturellement, n'est pas. Ce qui nous rend moins attrayants, naturellement, pour les attaques terroristes. Ensuite, une attaque terroriste en Suisse n'aurait peut-être certainement pas le même impact qu'une attaque terroriste à Paris, à Londres, ou à Washington, ou à Berlin. Donc c'est pour ça que ça nous rend moins attrayants. Par contre, ça ne veut pas dire que nous ne serons pas touchés par le terrorisme. Nous avons la Genève internationale, nous avons la place financière de Zurich. Nous avons également, il est également possible d'avoir des cibles dans ces différentes villes. Mais nous sommes forcément moins attrayants par rapport à notre politique. Les nations qui se battent aujourd'hui au Moyen-Orient, en Syrie, en Irak, dans les coalitions, sont naturellement plus exposées que la Suisse. Nous sommes plutôt connus pour nos bons offices plutôt que nos engagements militaires. Ceci explique cela. Merci. Y a-t-il encore des questions, Madame Buhr? Ja, noch eine Nachfrage. Sie haben gesagt, dieser Einsatz in Sarajevo habe Sie sehr stark geprägt. Sie haben gesagt, es gebe ein Avant Sarajevo et un Après Sarajevo. Können Sie vielleicht sagen, inwiefern dieser Einsatz Sie so stark geprägt hat? Und noch eine andere Frage. Sie haben jetzt die Uniform auswechseln müssen mit einem zivilen Anzug. Ist das eine rein oberflächliche Wandlung oder können Sie diesen Rollenwechsel auch innerlich vollziehen? Eh oui. Bon, je vais commencer par la question qui me fait plus mal. Ja, ich bin heute ohne meine Uniform. Ich bin Soldat seit 32 Jahren. Und natürlich, meine Uniform zu deponieren, ist für mich etwas. Aber ich habe auch das gesagt in meiner Vorstellung. Je suis d'abord un défenseur de la Suisse, et je vais le faire maintenant les prochaines années, j'espère, sans mon uniforme. Je vais donc effectivement poser mon uniforme de divisionnaire dans une armoire, parce qu'aujourd'hui, je vais changer de statut, enfin, respectivement, le 1er juillet, je changerai de statut, et je passerai d'un statut de militaire professionnel à un statut civil. Alors, je vais vous dire, oui, ça me fait un peu mal, mais c'est la règle du jeu, et cette règle, je vais naturellement la respecter. Concernant Sarajevo. Sarajevo était pour moi l'expérience militaire la plus intéressante.
Wie ich habe gesagt, vorher, ich hatte 15 Jahre in der Ausbildung gearbeitet und plötzlich, ich bin in Sarajevo als Chef, 7 Tage auf 7 Tage, während 8 Monaten. Und ich habe riesige Freude gehabt am Führen. Und ich habe gesehen auch, wie wir sind geschätzt im Ausland. Und ich habe auch gesehen, wie unsere Ausbildung gut ist. Und anschließend, ich muss sagen, wenn ich bin zurückgekommen in der Schweiz, ich war eingesetzt in Luzern, in der AK, im Theoriesaal und nochmal als Ausbilder, ich muss sagen, es fehlt etwas jetzt bei mir. Oder? Und auf diesem Grund, ich habe entschieden, etwas anders zu machen, etwas mehr operationell, wie ich könnte das sagen. Diese 15 Jahre als Berufsoffizier, ich habe geschätzt. Aber ich wollte mehr operationell sein. Das ist der Grund, warum effektiv il y avait un avant Sarajevo et il y a eu un après Sarajevo. Merci. Y a-t-il encore une question? Ça n'est plus le cas, donc je vous propose de conclure ici. Je vous remercie et vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée encore.